Non, parce qu'en général, tu vois comment je tiens. Je rate pas de bouffer, ça me redonne de l'énergie. Et du coup, voilà. Comme ça, je peux fatiguer. En plus, avec la chaleur. Le maxicaïne. En fait, voilà. Je vais trier... Putain, il y a de l'action là où tu viens de faire ton inventaire pendant toute la vidéo. Pas longtemps en fait. Enfin, c'est que là tu te rends pas compte, mais pas ça prend une vidéo entière ton truc. Ah bah, sûrement. Je te jure. Putain, non. Je peux encore finir. D'ailleurs, pourquoi tu fais pas de vidéo de 20 minutes, putain? Parce que je tousse. C'est vraiment chiant à faire. Non, bah je. Oh, tu te fous de ma gueule, t'as pas regardé ma 200ème vidéo, je t'encule. Je l'ai regardé, espèce de bâtard. Et bah, je dis pourquoi je fais pas de vidéo de 20 minutes. Attends. Parce qu'à la base, tu faisais 10 minutes sur YouTube, c'est tout ce que ça dit. Hein. Non, je dis autre chose aussi. Ah bon, je sais plus. J'ai dit que. Hop. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ouais. J'aimais pas. J'aimais pas les vidéos de 20 minutes parce que ça devient trop long au bout d'un moment. On s'en tape que t'aimes pas. C'est ceux qui regardent qu'il faut qu'ils aiment. Bah, non, mais je préfère faire plein de petites vidéos. Et bah, au moins comme ça. Ouais, mais. C'est parce que j'ai envie, c'est pas qu'upload. Va t'en occuper. 20, c'est pas si long que ça. Oui, mais moi j'aime pas. Et comme c'est moi qui fais les vidéos, bah. Mais t'aimes pas, tu les regardes même pas tes vidéos. Si, je regarde. Tu les fais, tu vas pas les regarder après. Ok, donc où il faut que j'aille. C'est là, on met le plan et on sait où il faut aller. Faut juste regarder la porte qui clignote. Ok, y a pas de porte qui clignote, merde. Comment je vais faire? Je suis dans la merde. Parce que je sais pas où faut aller. Et j'ai pas pris mon bouquin de solutions comme un con. Ah, parce que t'as un bouquin? Ouais, en fait j'ai un bouquin, le truc c'est énorme. Parce que dedans j'ai les solutions de pratiquement tous les jeux que j'ai. Ouais. Shadow of Memories, Dino Crisis. Ah non, pas Dino Crisis dedans. Moi j'ai plein, j'ai 2 bouquins de solutions, c'est pratiquement la plupart de mes jeux. Sur PSX, ouais. PSX, et non, il y a un bouquin sur PSX, un bouquin sur PS2. Ah, ok. Ah bah voilà. C'est bon, je suis pas bloqué. Enfin, en même temps, Shadow of Memories, pour être bloqué, faut être un peu. Attends, con. Water. Ah, c'est bon, celui-là je le connais. C'est Waterworld, il me semble. Attends. Waterway. Pas World. Non, Waterworld, c'est un film de merde avec Kevin Costner. Avec qui? Un acteur. Et il fait un film. Ouais, Waterway. Oh, je trouve ça. C'est putain de facile à retenir les mots de passe en fait. Dès que tu connais la première lettre, tu piges sur le reste. Chemin d'eau, ça veut dire. Ouais. Ouais, parce qu'on se dirige vers le port. Oh, y'a un mec mort. T'es étonné, hein? Je dis ça à chaque fois que je vois un corps. Y'en a un par salle, putain. Ouais, non, carrément, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la tradition. Il tient encore un émetteur à la main. Alors pourquoi on le prend pas? Parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Et ouais, Rick. Qui vient ici tranquille en fait. On se fait chier, lui. Ah, c'est clair, on se fait chier à ouvrir plein de portes. Le gars il arrive les mains dans les poches. Ouais, carrément. Pour info, c'est une salle de sauvegarde. Et là, tu vas voir justement, il va te dire qu'est-ce que c'est cette merde. Oh. Ah oui, j'adore cette scène. C'est qui parle là? Apparemment, il y a des gars qui sont poussés par des. Il y a des survivants en fait. Oh oui, le M de tout à l'heure, c'est lui, c'est Mike. Enfin, c'est le gars qui est mort. Quoi. Ah, ok. Enfin, je pense. Pas ouais, logique. Donc, c'est lui qui a la clé du port. Et donc, on va aller le sauver. Enfin, faut aller là. Et on a une musique encore bien stressante que j'adore. Je dis, j'adore la musique. Ah bah voilà la deuxième clé, plus que j'avais besoin. Les musiques stressantes elles sont fun. Tu les entends pas? Si si j'entends ouais. D'une oreille en fait. Ouais, ça d'exécution. Ah oui, et donc là c'est fun, tu vois, c'est parce qu'en fait il y a un gars qui va descendre. Ouais. Tu vois l'ascenseur géant qu'on a vu. Putain, j'avais réussi à esquiver. Oh, je l'ai encore réussi à esquiver. Oh, je l'ai. Tu vois, il y a le grand senseur énorme. Et en fait, le gars, il est poursuivi par un T-Rex. Et il croit qu'il va réussir à sortir en prenant cet ascenseur-là. Donc tu imagines bien ce qui va advenir du gars, en fait. Et du T-Rex, du coup. Du coup, ce connard, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène un T-Rex. Regarde. Ah, c'est ça, en plus, hein, regarde. Attends, d'abord, je prends ça, maintenant, je peux. Anesthésique, voilà. Hop, P1. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Et hop là. Mais il est mort, le gars. Il est mort, l'autre, en fait. Bah un peu, ouais. Je l'ai pas entendu gueuler. Bah ouais, c'est pour ça que je disais ça. Et ce connard de Tyrannosaure, non seulement. Ah là, c'est le premier. Il a bouffé un mec. Première fois qu'on en nique un là. Ah, mais il est pas mort. Il est pas mort là. Faut en profiter pour le niquer alors. Et donc, non seulement il s'électrocute comme un bœuf, mais en plus. Oh, regarde. Mais il est mort. Ok. Bah, arrache-lui les yeux, tu fais une bonne soupe avec. En fait, à mon avis, il y a qu'un seul T-Rex, on affronte pendant tout le jeu. Ouais, c'est peut-être le même, ouais. Oui, c'est peut-être le même, c'est ça ce que je suis en train de me dire. Fouille des balles dans le cul, putain. Voilà, et donc le truc c'est que ça peut pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce que ce connard, non seulement il s'est électrocuté, mais en plus il a tout fait sauter. C'est qui est mort en fait? L'autre connard, le blond là? Non, c'est un autre, un survivant quoi. Ah, qu'on connaît pas. Ouais, on s'en branle. Bah, quand on a récupéré la batterie blanche, on s'était fait chier à trouver. Putain, ça fait un bail ça. Bah ouais. Du coup on va aller chercher, on va aller les mettre dans un autre générateur de secours hein, pour changer. Ça fait, attends, ça fait quand même le quatrième qu'on active. Ah mais ils avaient prévu le secours hein, eux. Hein. Okay. Ça a vraiment pas peur d'être à court d'électricité. Tu peux le faire toi-même, tu peux pas aller dans le menu pour aller te le dire. Bah encore une fois une énigme très compliquée. Sauf que là il y a 4 boutons, ça rigole plus. Je sais plus si c'est le vert ou le bleu en premier. On va voir. Ah non, c'est bon comme ça. Voilà. Sauf que maintenant, tu vois les trucs qui bougent. Mais à chaque fois, voilà, ils descendent. Et... ouais, on a rallumé tous les écrans. C'est magnifique. Et ils affichent tous un 50 000. 500... non, attends. 55 000. Bordel. C'est magnifique. Ils affichent tous la même chose. Je n'ai pas l'utilité de mettre 4 écrans pour afficher la même chose, mais c'est pas grave. De toute façon, on s'en branle un peu des écrans. Ouais, carrément. J'ai jamais vu l'utilité à chaque fois. Dans les jeux, ils mettent tout plein d'écrans et tout, avec tout qui s'affiche, mais on s'en branle. Tout ce qui est bien en fait, c'est de les niquer, on est content. Ouais, carrément. C'est bien jouisif le truc. Bah, et d'ailleurs, dans Metal Gear Solid, il y a un passage quand tu te bats contre un ninja. Le truc, c'est. Moi, en fait, tout ce que je fais, c'est que je prends des grenades et je les balance contre les trucs pour tout faire péter en fait. Toi, t'es le seul qui fait le bourrin dans Metal Gear Solid quoi. Oh non, j'ai eu pire. Je me débrouille quand même un minimum. Alors c'est le tyrannosaure qui l'a mis en pièce. Non, on avait cru qu'il y avait une crise cardiaque au plein milieu et qu'en fait il avait piqué. Ah ouais, non. Alors, comme tu peux voir... il a voulu se faire une tartine de confiture, mais. Ah voilà. Ah et... non, ils sont trois en plus. Il a mis trop de confiture. Ah, en fait, c'était une partouze qui a mal tourné. Oh oui, aussi. Ça finit en gros carnage. Hein, ouais. C'est le tyrannosaure qui l'a mis en pièce. Aussi, lui aussi, il a eu une crise cardiaque. Lui, il a un objet sur lui, une cheville. Waouh. Et donc, alors pour info, maintenant j'ai récupéré. La deuxième puce clé, j'ai récupéré le deuxième disque d'input D et j'ai récupéré un autre truc, donc je m'en fous en fait. Mais en fait c'était 3. Ils sont fait tous les 3. Il n'y en a pas un pour survivre, non. Je sais pas, contre un T-Rex. Bah non, mais ils se mettent entre ses jambes, quoi. Ils font gaffe à pas se faire écraser et hop. Ça marche même pour Shadow of the Colossus. Enfin, ils s'en branlent de toi les colosses dans Shadow of the Colossus. Ouais, carrément. Envoyer carrément. Tu regardes même pas, tu sais. Ouais, c'est clair, ils en ont rien à foutre, ça, ils marchent tranquille. En fait, ouais. C'est toi qui viens leur péter les couilles. Bah oui, c'est ça. Ils t'ont rien demandé, tu sais. Non, mais c'est ça. Eux, ils s'en rendent compte, tu sais. Oh putain, heureusement qu'on a pu revenir ici parce que je déteste ces passages-là. Ah si, on va revenir ici en plus. Bon, j'arrive à les esquiver. Ce qui est bizarre, c'est que c'est dans les passages étroits où j'arrive à les esquiver. Bon, là, en fait, il y a combien de types de dinosaures dans le jeu? Il y en a 4 quoi. Non, il y en a 6, 7. Ouais, enfin, y'en a pas. Ouais, mais sauf que bon, pour les Velociraptors, enfin, ça change juste quelques petits détails entre les Velociraptors et les autres Raptors qu'on a vu. Enfin, parce que c'est pas des Velociraptors qui sont peints en deux couleurs. Y'a quoi? Y'a les T-Rex, les trucs violets, y'a eux, y'a les Velociraptors, y'a les trucs. Y'a les poules là. Ouais. Et puis c'est tout. Hein. Ah ouais, en fait, ça fait 5. Gotcha! Putain, c'est cette musique qui me rappelle une autre musique de je sais pas où. Ouais, donc là il réussit à ouvrir la... Ah oui, on a la clé du port aussi. Mais qui ne servira à rien en fait, puisque vous allez voir. On va essayer de sortir pour aller au port et se casser de là. Enfin, l'hydro... Ouais, le port. Pour chercher un hydravion. Non, pas un hydravion, un hydre quelque chose. Un truc aquatique, quoi. Pas un sous-marin.